ce qui se passe à Trans-sur-Erdre, c'est non seulement intéressant, mais c'est l'image de ce qui doit se produire, parce que si on défend bien là où on habite, on défend tout notre département, et notre département qui est le dixième destination touristique, bien, notre ambition c'est de le faire avancer, de le faire progresser encore. Comme je dis souvent, on est ici de très grands gamins, hein, qui jouent encore au Playmobil, hein, avec des gros Playmobil. Mais et c'est ça, et ce caractère, j'allais dire, d'enfant qu'on a gardé, eh bien, je crois que c'est ça qui fait aussi la vitalité de l'association, c'est ça qui fait aussi ce que ressentent les spectateurs, ce côté très humain, très chaud. Et on le doit à ça, on le doit à cette bande de gamins. Au départ, c'était une manifestation culturelle, je dirais que c'était plutôt une manifestation rurale. Et progressivement, je crois que ça a pris une dimension tout à fait différente et on est arrivé à une manifestation culturelle d'ampleur. C'est à la fois l'amitié, le bénévolat, c'est le miracle tous les ans lorsque l'on voit la montagne d'heures de travail qui est fournie. C'est très difficile d'exprimer aux gens ce qui se vit ici. Je dis simplement, venez voir, venez nous voir. Venez voir, j'allais dire, ces hommes et ces femmes et leur volonté de, j'allais dire, d'exister, leur volonté de prouver qu'ensemble, on fait des choses extraordinaires.